se baser sur une série télé et quelques oiseaux morts pour affirmer qu'un blackout va bientôt plonger la planète et pourquoi pas tout le système solaire dans un indescriptible chaos, c'est forcément un peu léger. Évidemment, ma réflexion se nourrit de bien d'autres arguments. Procédons par étapes. Nous avons étudié un peu plus haut le véritable sens du mot « verbe » ou « parole » que l'on trouve dès le premier verset de l'Évangile selon saint Jean. Nous allons étudier à présent une autre expression mystérieuse de l'Évangile sur laquelle les théologiens et exégètes des siècles passés se sont longuement creusé la tête et cassé les dents. Il s'agit de l'expression « le Fils de l'homme ». Jean 12, 34. La foule lui répondit « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ?» Jésus leur dit « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Qu'est-ce donc que ce Fils de l'homme qui apporte la lumière et fait fuir les ténèbres ? Demande très justement la foule. C'est par ce titre énigmatique que Jésus semble se désigner lui-même. Les exégèses nous expliquent que cette expression suggère tout en la voilant la nature la plus transcendante de son identité. La nouvelle encyclopédie catholique de Droguet-Ardan, parue chez Fayard en 1989, précise « Fils de l'homme évoque un être mystérieux dont la mission enveloppée de gloire et de majesté était de mettre en communication le ciel et la terre, le temps et l'éternité. » Un vaste programme. Je vous propose que nous regardions ce mystère avec nos yeux d'aujourd'hui. S'il est vrai que nous arrivons au temps où ce qui est caché sera révélé, nous devons essayer de comprendre cette expression dans sa signification la plus concrète et la plus simple. Mais auparavant, il faut que je vous parle d'astrothéologie. La religion chrétienne, avec Jésus, Dieu sauveur, est par nature un culte solaire, à la différence de l'islam, qui correspond à un culte lunaire, et du judaïsme, qui est un culte stellaire. Comme on dit, chacun son domaine d'influence, et le troupeau sera bien gardé. Concernant le christianisme, l'astrothéologie défend l'idée très troublante, selon laquelle, partout à la surface de la planète, les récits de l'existence des dieux sauveurs de l'humanité sont en réalité une métaphore du cycle solaire qui chaque matin revient sauver toute vie sur la terre. L'histoire de Jésus, racontée par les évangiles, serait donc le récit codé et imagé des révolutions du soleil vues depuis la planète Terre. Il est intéressant de noter que l'épitaphe du dieu égyptien Horus était Christ. De même, il est amusant de constater que le dieu hindou Krishna s'écrit en anglais, sous certaines variantes, Krishna. En fait, il est curieux de découvrir qu'il existe quantité de dieux à travers l'histoire humaine dont la vie présente de nombreux points communs avec celle de Jésus. Bouddha, par exemple, est né de la Vierge Maya. Il était de naissance royale. Il accomplissait des miracles, guérissait les malades. Il était capable de nourrir 500 hommes à partir d'un petit panier de gâteaux. Il marcha sur les eaux, il enseignait la chasteté, la douceur, la tolérance, la compassion, l'amour et l'égalité de tous. Il fut transfiguré sur une montagne. Sakyabuddha fut crucifié, il souffrit, puis fut ressuscité. Il monta finalement au ciel. Horus est né de la Vierge Isis, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Sa naissance était annoncée par une étoile à l'est et attendue par trois hommes sages. Il avait lui aussi 12 disciples. Il a été enterré dans un tombeau et a été ressuscité. Krishna, le messie indien, est né de la Vierge Devaki. Son père était charpentier. Sa naissance était attendue par des anges.
des hommes sages et des bergers. Il fut persécuté par un tyran qui ordonna le meurtre de milliers d'enfants en bas âge. Il était de naissance royale. Il accomplissait des miracles. Il ressuscitait les morts et guérissait les lépreux, les sourds et les aveugles. Krishna utilisait des paraboles pour enseigner au peuple la charité et l'amour. Il fut transfiguré devant ses disciples. Certaines traditions racontent qu'il mourut sur un arbre, d'autres relatent qu'il fut crucifié entre deux voleurs. Il ressuscita d'entre les morts et monta au ciel. Ses disciples lui donnèrent le titre de Jesseu, ce qui signifie pure essence. Mitra, le dieu soleil qui précède Jésus d'au moins 600 ans, est né lui aussi d'une vierge un 25 décembre. Il était considéré comme le rédempteur, le sauveur, le messie. Il était identifié à la fois au lion et à l'agneau. Il avait 12 compagnons ou disciples. Il accomplissait des miracles. Il a été enterré dans un tombeau. Après 3 jours, il s'est relevé. Sa résurrection était célébrée chaque année. Il existe ainsi une quantité de dieux sauveurs à différentes époques partout dans le monde, comme par exemple Hercule, lui aussi fils de Dieu, et qui partage, à quelques détails près, le même destin. Ces similitudes découlent directement d'un secret de la matrice, connu des faux dieux, relatif à l'influence des corps célestes sur la destinée humaine. Pour commencer, étudions cette particularité de l'étoile à l'est qui annonce presque toujours la naissance des sauveurs. Dans de nombreux récits, en effet, cette étoile est censée guider 3 rois mages vers le lieu de la naissance du nouveau dieu. Il existe une étoile à l'est, Sirius, qui est la plus lumineuse dans tout le ciel étoilé. Il se trouve que tous les 24 décembre, Sirius s'aligne parfaitement dans l'axe des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Or, ces 3 étoiles très brillantes portent le nom des 3 rois. Et devinez, il se trouve justement que Sirius et les 3 étoiles, qui semblent la suivre constamment, se dirigent toutes à l'endroit du lever du soleil le 25 décembre. Si la plupart des hommes dieux crucifiés ont leur anniversaire traditionnel dans la nuit du 24 au 25 décembre, on peut aussi se demander si cela n'est pas tout simplement dû au fait que, dans l'hémisphère nord, à partir du solstice d'été, le soleil effectue une descente annuelle vers le sud jusqu'au 21e ou 22e jour de décembre, le solstice d'hiver. Durant cette descente, les jours deviennent plus courts et plus froids. Après quoi, le soleil cesse de se déplacer vers le sud pendant 3 jours. Cette mort symbolique du soleil se prolonge ainsi durant 3 jours, au cours desquels le coucher du soleil se situe à la hauteur de la croix du sud, autrement appelée la constellation de la croix. Après quoi, durant la nuit du 24 au 25 décembre, le soleil renaît et il commence à se déplacer vers le nord. Le lien est évident avec le fait que de nombreux dieux sauveurs, Attis, Dionysos, Prométhée, Jésus, ont péri sur la croix, sont morts durant 3 jours, puis ont ressuscité. Autre petit détail, Jésus marchant sur l'eau symbolise en fait le spectacle du soleil sur les eaux aux yeux de l'observateur qui se trouve au bord de l'océan. Les 13 disciples, car après la trahison de Judas, un 13e apôtre le remplace. Les 13 disciples de ces dieux solaires symbolisent les 12 sur 13 mois de l'année et les 12 sur 13 signes du zodiaque ou constellations par lesquelles le soleil doit passer. Le soleil entre dans chaque signe du zodiaque au 30e degré. Cela nous permet de comprendre pourquoi le Fils de Dieu commence son ministère à l'âge de 30 ans. Et regardez bien maintenant les correspondances linguistiques et phonétiques entre le mot « fils » et « soleil » en allemand et en anglais. Le récit de la résurrection de Lazare, la momie élevée d'entre les morts par Jésus, est très semblable à celui de El Lazarus, la momie égyptienne ressuscitée par Horus. Ces 2 histoires sont en réalité des allégories du passage du soleil par la constellation de la momie, Orion, lui apportant la lumière
et la vie. Il apparaît donc que les détails de la vie des dieux sauveurs sont en réalité des transpositions symboliques d'événements appartenant au cycle solaire. Il en est de même de la multiplication du pain, de la transformation de l'eau en vin et aussi du fameux baiser de Judas. Dans le Nouveau Testament, il est mentionné que l'apôtre Judas embrasse Jésus pour le désigner aux Romains. Cet acte symbolise le passage en automne du soleil devant la constellation du scorpion. En effet, il existe une catégorie de scorpions dont la piqûre laisse une plaie ayant la forme d'une bouche, et cette blessure est appelée le baiser de la mort. Voyez-vous où nous mène ce petit jeu de pistes ? Le soleil est condamné en passant devant le signe du scorpion, car il se dirige vers le solstice d'hiver et perd alors tous les jours un peu plus de sa vitalité. Le dieu Horus se bat pendant 40 jours en enfer contre son oncle Seth, tout comme Jésus se bat pendant 40 jours dans le désert contre Satan. Le grec Hipparque se plaignait du fait qu'il lui était difficile d'observer les solstices car le soleil ne changeait guère sa position durant la quarantaine de jours de part et d'autre des solstices. Troublante coïncidence, non ? Les changements d'air sont déterminés par l'alignement du soleil avec une des constellations du zodiaque au début du printemps astronomique, le point vernal. D'après certaines sources, alors que nous assistons à la fin d'un cycle dominé par le christianisme, nous sommes en train de passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, dont le symbole astrologique est un homme portant une cruche. Regardez maintenant ce que dit Jésus à ses apôtres quand celui-ci lui demande où ils doivent préparer la prochaine Pâque lorsqu'il aura disparu. Il leur répond, je cite, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Marc, chapitre 14, verset 13. On trouve le même texte dans Luc, chapitre 22, verset 10. Dans les pays du Proche-Orient, aucun homme n'a jamais eu le devoir de porter de l'eau. C'est une tâche qui incombe aux femmes. Quelle est donc la signification véritable de ce passage selon vous ? Il est clair que les auteurs qui ont rédigé les évangiles pour embrouiller le message christique savaient très bien de quoi ils parlaient. Il n'est pas besoin d'argumenter durant des heures pour avancer que Marie-Madeleine tire en réalité sa source de Maria pour marée et mère, qui sont à l'instar du soleil à l'origine de toute vie sur la terre, et Madeleine, de Magdalena, Mag correspond à magnétisme, Elena à la lune. Le Mag de Luna, ou magnétisme de la lune. Dès lors, les histoires plus ou moins secrètes de la vie de Jésus trouvent une explication symbolique des plus limpides. Effectivement, Marie-Madeleine épousa Jésus. La lune reflète la nuit la lumière du soleil, Jésus, sur la terre, et ses marées maintiennent la vie dans les océans, à l'origine de toute vie. C'est à l'appel du coq que le soleil fait son apparition. Le coq annonce donc la résurrection quotidienne du soleil et préside à la défaite des ténèbres. Il est le précurseur du dieu solaire. Or, les premières lois du christianisme ont été fondées en France. C'est en Avignon que les premiers papes se sont installés avant l'instauration définitive de l'Église à Rome. Or, l'animal symbole de la France est le coq. Le nom latin du coq, Gallus, est le même que celui du Gaulois, et ce n'est pas étonnant. Il faut savoir aussi qu'il existe un symbole gnostique du IIe siècle utilisé par l'école d'Alexandrie, l'Abraxas. Il s'agit d'une chimère au corps humain, aux jambes serpentiformes et à la tête de coq. Ce coq brandit un fouet d'une main et un bouclier de l'autre, gravé des lettres suivantes. I pour Jésus, suivi de l'alpha et de l'oméga. Le fouet est l'arme du dressage par excellence. Le bouclier est un symbole de pouvoir. Le coq étant le symbole de la France, faut-il en déduire que l'ordre mondial actuel qui a commencé en France
se terminera aussi en France. Enfin, le fait que les chrétiens aient consacré le dimanche Sunday en anglais, Sonntag en allemand, jour du soleil, pour vénérer leur Dieu, est encore un aveu codé de la véritable nature de la divinité Jésus. Ainsi que Jésus soit appelé le Fils de Dieu, comme d'autres en leur temps ont été appelés Fils du Soleil. C'est facile à comprendre. Dieu peut très vite être assimilé au Soleil et le Soleil à Dieu. Mais qu'il se fasse appeler le Fils de l'homme, voilà qui pose problème, car cette expression n'a pas de sens. Ce genre de bizarrerie est là justement pour éveiller et titiller notre attention. Dans les textes anciens, les passages et les termes incongrus ont toujours une raison d'être et renferment une vérité profonde. Nous avons vu un peu plus haut que le mot « fils » traduit en anglais donnait « son », un terme très proche de « sun », qui veut dire « soleil ». Nous avons trouvé la même concordance en allemand « Sohn » pour « fils » et « Sohn » pour « soleil ». Dans ces deux langues, ces deux mots sont phonétiquement très proches, si proches qu'on pourrait les confondre. Remplaçant à présent en français le mot « fils » par le mot « soleil », nous obtenons une expression qui soudain révèle tout son sens. Le soleil de l'homme. De toute évidence, nous venons d'exhumer une vérité qui jusque-là était cachée derrière un voile. Le Christ représente effectivement le soleil de l'humanité. Il est porteur d'un message et d'une énergie qui émane de celui-ci et dont l'origine est le royaume. Voilà pourquoi la foule demandait à Jésus, Jean 12, 34, la foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme ?» Réponse, le soleil. En effet, il faut qu'il soit élevé dans le ciel pour apporter son rayonnement vital à la terre. 12, 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez-en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. La lumière du soleil est un rayonnement en provenance de la matrice originelle. Le Christ invite les hommes à croire en cette énergie afin d'être des enfants du royaume. Nous comprenons mieux également le sens de ce verset de Jean 3, 13. C'est Jésus qui parle. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. De toute évidence, Jésus ne parle pas de lui puisqu'il est sur terre en train de parler aux pharisiens. Celui que tout le monde voit monter et descendre quotidiennement dans le ciel et qui est dans le ciel, c'est sans aucun doute possible, le soleil des hommes. Ainsi, nous voyons bien que l'expression « le Fils de l'homme » désigne tantôt le soleil et tantôt Jésus. Nous savons, pour l'avoir dit plus haut, que les faux dieux, vrais manipulateurs, sont toujours très contents de leurs bons mots. Ils aiment à se faire des clins d'œil entre eux. À travers cette formule, le personnage de Jésus lui-même, qui est venu apporter la vérité, nous révèle qu'il est bien le symbole du soleil des hommes, l'étoile de ce système solaire sans laquelle il ne pourrait y avoir de vie sur terre. Ceci est d'ailleurs confirmé dans le livre Révélation 22:16. Moi, Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin est le soleil qui se lève chaque jour à l'est. La clé de compréhension de l'évangile se trouvait donc au cœur de l'évangile révélé par Jésus lui-même. Où tout cela nous mène-t-il? Il apparaît évident que ceux qui ont placé l'expression « fils de l'homme » dans la bouche de Jésus ont utilisé le langage des oiseaux pour transmettre une vérité réservée aux seuls initiés. L'expression « fils de l'homme » n'est donc pas l'énigme, c'est au contraire la clé codée qui permet de percer le mystère des évangiles. Le fait que cette correspondance « fils-soleil » ne fonctionne pas dans les langues latines est révélateur d'une volonté de dissimulation.
En effet, si la correspondance phonétique avait été évidente dans ces langues, trop de personnes auraient été en mesure de faire le rapprochement et de s'amuser de la coïncidence dès le tout début du christianisme. N'oublions pas que jusqu'à très récemment, la liturgie était dite en latin. Les gens du commun ne risquaient donc pas de comprendre. Impossible, me diront les sceptiques. Les auteurs des évangiles ne pouvaient pas prévoir cette formulation puisque, à l'époque, ni l'anglais moderne ni l'allemand n'existaient sous cette forme. C'est justement bien ça qui est étrange. Comment les rédacteurs du texte ont-ils bien pu connaître la correspondance entre les mots « fils » et « soleil » en anglais « sun » et « sun » et en allemand « sonne » et « sonne » ? L'objection est de taille, et pour moi qui ne crois pas au hasard, elle vient confirmer ce que je vous ai dit plus haut, à savoir que les faux dieux, n'appartenant pas à la matrice qu'ils ont créée, vivent hors du temps et ont accès aux différents temps des hommes. Les archontes, ces planificateurs invisibles qui contrôlent la destinée et le langage des hommes, comme un code qu'ils ont légué à l'humanité, ont donc directement inspiré les scribes qui, eux, ne pouvaient pas deviner quelle serait l'évolution de ces langues. Les textes nous montrent ici que le hasard n'existe pas.